messieurs, membres du jury, amis choristes, bonsoir à toutes et à tous de la part du Chœur Saint-Ours d'Ost et de son directeur Angelo Filippini. C'est toujours avec extrême plaisir que nous sommes là pour prendre part à cette assemblée de chant choral que cette année est arrivée à sa 69e édition. Ce soir, pour la chorale Saint-Ours, c'est aussi une soirée particulière, car cela arrive de temps en temps que la famille s'agrandisse, et ce soir c'est une de ces soirées. Donc c'est avec un grand plaisir que nous accueillons parmi nous, et je vous demanderai un applaudissement, dans la section des ténors, nous accueillons Samuel Marquis. Ebbene, non potrebbe che essere l'amore, questo sentimento che dovrebbe guidare ogni nostra azione in ogni contesto della vita. Nel primo canto esprimeremo proprio la delicatezza e l'unicità del sentimento che unisce gli innamorati e soprattutto assisteremo a una delle più chiare ed esplicite dichiarazioni d'amore, dedicato quindi a tutti gli innamorati ed in particolar modo agli innamorati del canto corale, Les plaisirs sont doux di Gianni Malatesta.
Cet amour se manifeste dans le cri de douleur quand on lui annonce que désormais le roi Renaud est mort et enterré. Et là, je vous conseille de prêter attention au chant, parce que « et enterré » sera souligné par la voix de basse. Alors là, elle fond en larmes et elle supplie les fossoyeurs de creuser une fosse qui puisse contenir elle-même et aussi le petit qui venait de naître. Aucun sens la vie n'aurait pu avoir sans la présence de son aimé. Alors, la terre même, participant à cette douleur, s'ouvrit, se fendit, et la belle rendit l'esprit. De Paul Bon, le roi Renaud de guerre revient. Amen.
stato o chi è innamorato sa che l'amore dona grandi slanci di entusiasmo ed ebbrezza, ma causa spesso anche tanto dolore e sofferenza. Nel prossimo brano viene proprio messo in evidenza la contrapposizione tra l'amore spensierato, rappresentato dal volo leggero e sereno di una rondine, e quello sofferto, doloroso, incarnato nella richiesta, quasi nell'implorazione alla rondine perché voli altrove, lontana a cantare la sua allegrezza. Il cuore spezzato non si compiace alla grazia del canto e del volo, ma chiede rispetto e silenzio per guarire il mal d'amore. Di Angelo Mazza, a cui dedichiamo questo canto perché è stato un grande amico del coro di Sant'Orso, il rondello. Et nous dit que les lois sont trop à la maison. A vous, il y a des gens
Marchons dans le vent de Mino Bordignon, la chorale de Centaure et Angelo Filippini vous souhaite bonne continuation de Veglia et vous remercie. Merci. Gracias.